Aujourd'hui, je te propose la recette du wrap aux chèvres panées. C'est la recette que tu peux retrouver chez McDo, mais ici, c'est bien meilleur et je te montre comment faire. Donc, je commence par mélanger de la mayonnaise et de la crème liquide. Je mets du poivre, de l'ail en poudre et du sel. Je mélange bien et je mets ça de côté. Et ensuite, pour les chèvres panées, je vais prendre des petits palets de chèvres frais et je vais réaliser une panure à l'anglaise. Donc, je les trempe dans la farine, dans l'œuf et dans la chapelure. Et je les remets à nouveau dans l'œuf et dans la chapelure pour avoir une belle épaisseur de chapelure afin que le fromage ne coule pas. Ensuite, une fois que j'ai tout pané, je les mets dans une friteuse à 170 degrés. Tu peux aussi les faire dans une poêle avec de l'huile, ça fonctionne aussi. Et pour le montage final, je viens déposer de la sauce sur un wrap. Je mets une feuille de sucrine et deux rondelles de tomates. Et ensuite, je dépose deux petits chèvres panés. Et je vais fermer le wrap en commençant par le bas puis vers la droite. Et je finis par bien rouler pour que ce soit bien hermétique. Et tu vois, ce wrap, c'est vraiment trop bon.